Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. Nous sommes au Belvédère dans la commune de Pirhaie, un endroit calme et reposant. C'est justement ce que l'on reproche aux Fénois, c'est qu'il ne se passe rien du tout, ou en tout cas pas grand-chose, surtout en matière de protection de l'environnement. Eh bien ce soir, on va essayer de vous démontrer le contraire. C'est tout de suite, juste après le générique. De nombreux événements sur la thématique de la protection de l'environnement ont eu lieu. Des événements festifs, informatifs et des actions concrètes menées contre les déchets. Les associations, particuliers, entreprises et secteurs publics se mobilisent en faveur d'un développement durable du Fénois. Le mois de mars dernier a été particulièrement riche en événements. Par exemple, la journée des finalistes de Fédéscol, le 7 mars, à Papéari. Mais c'est d'abord personnel que donc, je m'engage dans les actions donc, par rapport à l'environnement et j'essaye du mieux que je peux d'investir les élèves, même si des fois au début ils ne voyaient pas l'intérêt, mais je pense que par la suite le résultat, enfin le retour va venir. Donc je les force un peu à s'intéresser vraiment à l'environnement. Donc ils voient aussi que je suis engagée et que je ne suis pas là pour dire, mais je suis là pour faire et leur montrer comment est-ce qu'il faut faire. La troisième édition du village Alternativa, qui a eu lieu le 10 et 11 mars à l'ICEP. On avait dispatché les 7 quartiers que nous proposons dans l'établissement de l'ICEP. Et ça s'est super bien passé en matinée. On a eu des écoles qui sont venues s'informer, qui sont venues découvrir ce que les acteurs proposaient. Et donc, en général, tout se passe bien, même au niveau de l'animation. On a vraiment des bénévoles super, des intervenants bénévoles super qui le font vraiment gentiment. La journée mondiale de l'eau qui a eu lieu le dimanche 19 mars dans le parc Paufeuille. Alors effectivement, c'est la troisième édition cette année et en fait, le ministère de l'Environnement a voulu qu'on accentue justement sur la sensibilisation des populations à la protection de cette ressource en eau. La projection éco-citoyenne de Planète Éco-Tour le 25 mars au parc Paufeuille, suivie de Earth Hour Tahiti 2017 partout en Polynésie française. Le monde utilise l'équivalent d'une planète et demie pour soutenir la vie sur Terre. Earth Hour est né de l'espoir que cela pourrait changer. D'une seule ville en 2007, Earth Hour est aujourd'hui célébré dans 178 pays et territoires. La Polynésie française a officiellement intégré Earth Hour en 2013. Depuis lors, chaque année, près d'une centaine d'hôtels, bars, restaurants, snacks et roulottes participent à la soirée aux chandelles co-organisée avec la CCSM. Et nous n'avons pas comptabilisé les autres opérations de nettoyage, les villes sans voiture ou les formations sur le développement durable. Il se passe énormément de choses. Tendez l'oreille, soyez attentifs. Il se prépare sûrement quelque chose près de chez vous. Question posée en message privé sur notre page Facebook. J'ai entendu parler de la transition énergétique, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Il s'agit de réussir à réduire l'impact de notre production des énergies sur la planète, tout en sachant que la population continue d'augmenter. Il faut donc être efficace. Pour cela, nous devons diversifier nos sources d'énergie, promouvoir les énergies renouvelables et changer notre façon de consommer les énergies. Les récentes inondations qui ont provoqué beaucoup de dégâts à Pirhaie, Fa et Papeete ont emmené avec elles énormément de déchets dans les rivières et les lagons. À l'exemple de Nicolas Delongeau en avril 2016, de nombreux volontaires se lancent dans des opérations de nettoyage de leur quartier et de leur plage. C'est peut-être l'occasion de rappeler les consignes de tri.
Polynésie, trions de plus en plus nos déchets, à la maison, à l'école ou au bureau. Je mets ma bouteille en plastique dans le bac vert. Je dépose ma canette dans le bac vert. Je dépose mon carton dans le bac vert. Et hop, dans le bac vert. Les briques alimentaires, c'est dans le bac vert. Bouteilles en plastique, canettes aluminium, boîtes de conserve rincées, papier, journaux, cartons, briques alimentaires rincées, tout se met dans le bac vert. Savez-vous que 60% des déchets présents dans le bac gris sont soit compostables, soit recyclables? Lorsque le tri des déchets est mal fait, ils se retrouvent soit au CET de Paihoro, soit comme ici dans la nature, tel qu'on les a trouvés tout à l'heure. C'est à chacun de nous de faire un effort et nous devons appliquer le principe suivant, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. À défaut, il doit être réparé, réutilisé, composté ou recyclé. Et j'évite tous les objets qui vont finir à la poubelle très rapidement. Plus d'infos sur la page Facebook du JT Vert ou de Let's Do It Tahiti. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Retrouvez notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Bonne soirée à tous. Prochainement dans le JT Vert. Nous essayons tous de limiter notre consommation électrique pour réduire notre facture à payer. C'est la même chose pour le pays. Découvrez comment la Polynésie française travaille pour réduire sa facture d'électricité. C'est prochainement dans le JT Vert. Si tu veux plus de vidéos YouTube, abonne-toi à la chaîne.